Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit solotage. Donc, on est sur le solotage du Glourse avec un Osamodas. Osamodas, classe qu'on ne voit pas souvent bien représentée en PVM. C'est plus une classe PVP. Et donc, pour cette vidéo, voilà, je suis en Osamodas feu haut. Malheureusement, bon, là, vous voyez, j'ai 3690 vita, mais j'avais vraiment pas besoin de plus. J'ai mis un stuff vraiment basé sur les dégâts pour faire un maximum de dégâts possible, garder les 6 PO, les 6 invoques, etc. Je me suis mis, je crois que j'ai réinitialisé, mais j'ai même pas remis mes caracs hein, pour vous dire mes caracs en vita. Du coup, ouais, c'est ça parce que 395, ouais, normalement j'étais au-dessus des 4000, mais bon, c'est pas grave. Donc en termes de résistance, normalement c'est conseillé de mettre un 50% R sur les Glourse, le solotage Glourse. C'est d'ailleurs moi qui avais donné ce petit conseil à DTL pour son solotage en IOP. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de sa vidéo en description. Et en fait, pourquoi ce 50% R? Tout simplement parce que de base, à l'origine, étant donné que le Glourse Céleste, il tape R et il se régène, c'est du vol de vie, et ben, plus vous avez de résistance dans l'élément, plus moins il se régène tout simplement. Et si vous n'avez pas d'érosion, etc., c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué sinon de le tomber. Donc là, ce que je fais tout simplement, je vais aller mettre voilà, encore des petits dégâts, on gratte des dégâts. Bien sûr, on prend les zones quand le Méliglourse y sacrifie, c'est très important. A savoir que bon, j'ai pas mis trop de temps, il me semble, à le faire. Hein. Je l'ai fait en peut-être 20 tours, un truc comme ça. Le plus dur, c'est vraiment le début de clean des mobs. Parce que bah, bien sûr, il y a le Glourmand qui peut vous OS. Donc faut bien faire gaffe à vos placements, bien faire gaffe au placement des autres mobs. Histoire qu'ils ne soient pas trop embêtants pour vous. Bien sûr, normalement, il ne faut pas pousser. Bon, moi, je me permets de pousser pour... Enfin, tant que c'est pas les... Comment dire? Tant que c'est que les mobs, ça va. C'est pas bien grave. Le Glouragan, bien sûr, on le tape en dernier parce que lui, il nous aide vraiment beaucoup à taper le Glourmand. C'est vraiment une grosse source de dégâts. Dans ce donjon, c'est votre ami. Bon, ça peut être votre ennemi aussi, mais là, pour ma part, ça a été mon ami. Donc là, je me suis dit, bon, je crois que je suis foutu, ça va être le bazar, donc je vais mettre un coup de cac. Et au final, j'ai une petite idée, qui au final n'aura pas été si déconnante que ça, vous allez voir. Je vais mettre un sanglier, me semble. Je sais plus si je mets un sanglier ou un bouffe-tout, je vais voir. J'ai pas mal hésité, voilà le petit coup d'épée bandit qui est parti. Et là, je me disais, bon, je suis un peu foutu, c'est un peu compliqué là, cette tenta. Ça va être grave compliqué. Au final, j'ai mis un sanglier, je me suis dit, bon, bah, faites en sorte que je me fasse pas dopou. Et au final, bah, c'est bien parce qu'il a préféré aller dopou le sanglier avant de me dopou moi. Et vu qu'il dopou que deux fois, une fois d'une case, une fois de deux par tour, et bah, au final, je m'en suis plutôt bien sorti à ce niveau-là. Là, c'est pareil, je me retrouvais un peu. Dans l'embarras, étant donné que bah, j'étais encore une fois bloqué. Là, je me suis dit, faut que je me sorte de là. Je vais échanger de place avec un tofu, comme ça, je vais pouvoir, comment dire, essayer d'éviter le dopou, encore une fois. Malheureusement, bon, vous savez très bien comment ça se passe. Donc là, je vais mettre un bouffe-tout, étant donné qu'il a visé la TP et qu'il n'a pas tous les tours. Je vais mettre un bouffe-tout. Je vais espérer qu'il fasse pas trop de dingueries. Voilà. Bon, en l'occurrence, il a tapé le boss et derrière, il est allé sur le Glouragan. Bon, là, j'ai eu pas mal de chance, hein, je vous avoue que, voilà. Bah, apparemment, il a pu re-TP, ça, c'est très étrange d'ailleurs, parce que normalement, il n'est pas censé pouvoir re-TP tout le temps comme ça. Là, je me fais encore taper, vous voyez que ma vita, elle baisse assez vite. Bon, après, j'ai pas mal de régène sur le mode, donc c'est aussi un avantage. Vous voyez, les petites griffes spectrales, bon, là, malheureusement, ça crit pas, mais elles font quand même un taf considérable. Voilà, on va mettre des petits dégâts étant donné que le boss est debuff, on va en profiter, on va encore prendre une petite zone. Le Glourmand qui va encore re-TP, d'ailleurs, je sais pas pourquoi il avait tous les tours, mais normalement il la fait pas tous les tours. Là, hop, le Glourse qui va me faire mal. Bon, j'ai que 30% R, hein, donc c'est pour ça qu'il tape aussi fort. J'ai même pas respecté ma propre règle, mais comme je vous ai dit, avec Osamodas, c'est pas forcément nécessaire. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, ça reste le meilleur moyen de pouvoir suivre le contenu régulier qui sort sur la chaîne, ainsi que de la soutenir, et ça entièrement gratuitement. Je vous invite aussi à me faire part de vos retours dans les commentaires par rapport à cette vidéo, ou voilà, par rapport
Ah, si vous avez des concepts à proposer, voilà, moi je suis preneur dans tous les cas, tout ce que vous avez à proposer, je prends les informations même si je ne le fais pas de suite, etc. Parce que j'ai énormément de projets, de vidéos en tête, ça arrivera sous peu. Vous voyez ces coups d'épée qui sont insane en termes de régène, franchement ça fait grave plaisir. Là on va normalement presque finir le mob, vous voyez, je le finirai certainement au prochain tour, là il passe son tour. Je pense que c'est parce qu'il est taclé ou je sais pas trop. Le petit 666, je vous avoue qu'il m'a porté un peu la poisse. Je me suis dit, bon, ça se trouve, je vais perdre. Mais au final, là, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc, je reste focus sur le try. Et puis là, je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tape à distance? Ouais, je vais taper à distance tranquillement. Je vais me régène un peu. Et là, il va falloir créer la boucle. Donc, la boucle avec laquelle vous pouvez vaincre le Glourf. Boucle qui est pas si compliquée que ça à mettre en place, hein. C'est juste au début où c'est un peu plus compliqué. Et voilà, le délock, en fait, je vais le faire avec l'épée, ce qui me permet de me régénérer un peu sur le délock. Vu que c'est sur deux lignes, il prend quand même la deuxième ligne. Et puis, vu que j'ai maîtrise, bon, normalement, je mets deux spectrales, deux griffes spectrales, mais là, j'en ai mis qu'une, étant donné que j'ai maîtrise. Donc, voilà, franchement, c'est plutôt pas mal. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais continuer, je vais créer la petite boucle, et je vais faire en sorte à chaque fois qu'il ne me touche pas à 1 PM. Qu'il puisse pas venir se coller à moi et qu'il lui reste genre 1 PM. Donc là, je sais que je recule encore d'un. Et là, comme vous allez le voir, il va pas réussir à venir à mon cac. Donc moi, à chaque fois, j'ai qu'un PM à claquer pour aller le délock. Et puis, je me régène un peu, etc. Bon, là, forcément, il me reste pas beaucoup de vie. Donc ce que je vais faire, je régène encore un peu. Et il y a des tours, en fait, où je vais pas taper, tout simplement. Je vais me régène. Je vais choisir de me régène un peu. Je vais régène de pas beaucoup. Hein. Je vais juste mettre un bouffe-tout et un soin bestial, mais ça suffit à me faire survivre. Et vu qu'il se régène moins que moi, bah au final, ça passe assez facilement. Il y a d'autres façons de le passer avec l'Ossa. Bah, notamment, je mettais un Chrome R plutôt que le Cram Cram. Ça me facilitait grandement la vie, étant donné que ça me faisait passer la barre des 50%. J'ai choisi de pas le faire. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Là, je vous avoue que j'ai une petite frayeur. Je dis, bon, il me reste 200 HP. Le cac, il a pas crit. Je vais taper. Là, je sais que les 627, il les fait pas. À part s'il fait un gros crit. Il n'a pas fait de crit, donc là c'est pareil. Je joue un peu avec le feu, hein. Je pourrais me régénérer bien plus, etc. Mais j'ai joué un peu avec le feu, et là je me suis dit, bon, on va sécure, on va commencer à se régénérer un peu. Lui, il est mid-life, donc on est assez serein à ce niveau-là. Là, voilà, on se cale ici, et en fait, on va toujours se poser au même endroit et créer la même boucle. Ce qui fait que là, vous voyez, il me tape, il régène du 200. Bon, là, je vois que j'ai 399. Je sais que ça passe avec le régène. De mon full tour, normalement, je suis pas censé mourir. Voilà, 800 HP, je sais qu'il les fait pas s'il m'atteint pas au corps à corps. Et forcément, bah, je vais toujours faire en sorte qu'il m'atteigne pas, parce qu'au final, c'est ça le but de la vidéo. Je trouvais ça sympa de vous proposer ça en Osamodas, étant donné que c'est une classe, comme je vous ai dit au début de la vidéo, qui est très très peu représentée au niveau du PVM, surtout du PVM HL, on va dire. Donc à partir des niveaux 180, etc. J'ai fait aussi le solotage colosso, mais malheureusement, je ne l'ai pas rec. Et en fait, c'est Detel qui m'a fait remarquer ça. Il me dit, ouais, pour tes quêtes journalières et tout, tu les fais sur tous les persos, tu fais beaucoup de solotage, mais jamais tu les rec et tout. Je lui dis, bah non, pourquoi? Il me dit, bah tu perds des vidéos, tu perds... Voilà, c'est du temps de jeu qui est investi et où tu pourrais faire des vidéos, faire du contenu, etc. Et c'est vrai que moi, je ne le voyais pas forcément comme ça, étant donné que la chaîne est plus orientée sur du PVP. Mais bah, il m'a fait remarquer ça, du coup je vais essayer de vous mettre un peu plus de PVM, voilà, quand je fais mes quêtes journalières, etc. Pouvoir vous fournir un peu de contenu PVM, je sais que ça plaît à certains, surtout les solotages avec des classes un peu originales, etc. On voit toujours les mêmes classes dans les solotages, que ce soit les SRAM, que ce soit les... Bah, là dernièrement les Yop avec DTL, mais ça encore c'est assez récent. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, hein. C'est... Voilà, le combat n'est pas fini bien sûr, hein, mais bon... Comme vous voyez, la boucle, elle est assez facile à maintenir. Donc logiquement, à part une déconnexion ou quoi, la partie elle devrait être pliée assez aisément. Bon, là, je me dis, allez, je le finis. Ce tour-ci, c'est la bonne. Au final, je pense que ça va durer un tour de plus parce que je sais pas si je mets assez de dégâts. Je vais choisir de jouer safe. Vraiment, voilà, ça, c'était pas obligatoire. Je pense que je finissais, mais bon, sur un malentendu, on sait jamais. En tout cas, merci à tous ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'au bout. Je sais que ça fait un peu de changement et tout. Et que c'est un peu redondant vu que c'est une boucle sur ce donjon, enfin voilà. En tout cas, comme d'habitude, si ça vous a plu, hein, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça encourage vachement les créateurs de contenu, il y a du très très lourd qui arrive prochainement sur la chaîne. En attendant, moi je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo, ce sera
du Coliseum en retournant sur du PVP. À la prochaine, c'était Mars, ciao ciao.